Comment allez-vous? Bien le bonjour. Je voulais justement vous voir. J'espérais que vous pourriez m'aider dans mon nouveau projet. Ce sera un véritable chef-d'œuvre, je vous assure. Aidez-moi, et je vous promets une belle récompense. Alors? En fait, j'aimerais pouvoir photographier l'intégralité des dos, en un glorieux panorama. Tout cela grâce à des photographies prises sous tous les angles, avant d'être collées ensemble. Vous avez l'air joyeux, monsieur Beato. Oh. Ah, sir Alcock, j'expliquais justement mon nouveau projet de photographie à mon collaborateur. Un collaborateur, dites-vous? Dire que vous osez placer votre confiance chez de pareils sauvages. Vous ne reculez vraiment devant rien pour votre stupide hobby décadent. C'est trop aimable. Mais dites-moi, vous connaissez peut-être un point élevé d'où je pourrais prendre une vue intégrale de la ville? Ma foi, vous pourriez tenter votre chance au mont Atago. On y profite de panoramas qui sont véritablement dignes d'attention. Je dois dire, monsieur Beato, qu'être dévoué à son art est tout à fait admirable. Mais n'oubliez pas ce dont nous avons parlé. Je n'oublierai pas. Merci. C'est décidé. Va pour le mont Atago. Rejoignons-nous à sa base. Mais ne me faites pas trop attendre. Vous voilà enfin. Mais avant d'aller plus loin, m'autoriserez-vous un petit détour? Le mont Atago est habituellement un endroit très animé. J'aimerais photographier les habitants dans leur vie quotidienne. Avec votre appareil, nous pourrions le faire en un rien de temps. Alors, qu'en dites-vous? C'est très aimable à vous. Dès que vous serez prêt, nous pourrons commencer l'ascension. Je crois que nous avons réussi quelques beaux clichés. Bien, allons voir tout là-haut.
Grâce à ça, nous sommes dans une bien meilleure position. Ces impérialistes sont utiles à l'occasion. Qu'est-ce que c'est? Seigneur, vite, prenez-les en photo. Je vous expliquerai. C'est une bonne chose que l'attaque contre la Légation ait réussi. Mais je crains que le dénommé Alcock le suspecte de quelque chose. On a de la compagnie! Ils ne doivent pas repartir en vie! Mais c'est une aubaine. Monsieur Alcock sera enchanté de ces photos. Souvenez-vous, les photos sont aussi des preuves irréfutables. Allez, continuons jusque là-haut. Position. Préparons-nous et commençons à photographier. Il est nécessaire de faire vite. Si le soleil ou les nuages bougent, même un peu, les photos ne colleront pas les unes avec les autres. Je suis ravi. Et cela, c'est grâce à votre aide. Merci d'avoir cédé à mon petit caprice. Je vous suis redevable. Vous parlez des soldats? Je l'ignore. J'ai été aussi surpris que vous. Par exemple, vous vous souvenez de l'incendie de la Légation britannique l'autre jour? Eh bien, selon la rumeur, il paraît que les Français ont payé des soldats britanniques pour provoquer les expulsionnistes. Monsieur Alcock m'a demandé de réunir des preuves si jamais je croisais des personnes suspectes. Ce genre de mission m'aide à financer mon matériel. D'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai pu les prendre en photo. J'y penserai au moment de vous récompenser. Vous méritez bien ça. Mon travail de photographe m'a fait voyager dans le monde entier. Mais la culture japonaise est tout à fait unique, et notamment celle d'Edo. Hélas, elle n'a sans doute pas sa place dans un monde gouverné par l'Occident. La culture est si éphémère. Oh, vraiment? En réalité, c'est plutôt l'inverse. Rien ne dure éternellement. Rien. Ni les gens, ni les choses. Voilà. C'est pour cela que je veux les immortaliser avec mes photographies. Vous l'avez vu dans la montagne, non? Toute cette dégradation. Pourtant, photographier de telles scènes me donne des frissons. C'est la même chose pour le Japon. Sa culture ancestrale
et ses institutions vont se faire dévorer par l'Occident. Tout ce à quoi ce pays est attaché finira par sombrer dans l'oubli. Alors, j'ai décidé de figer cette beauté condamnée. Et cela me procure un immense plaisir. Ah oui. Vous avez quelque chose de précis en tête? Allez-y, je vous écoute. Oh, allez, ne me dites pas que vous croyez à cette fable. Vous ne devriez pas être aussi déraisonnable. Non. Je vois bien que vous êtes sincère. Mais dites-moi, que voyez-vous avec vos yeux? Bon, j'espère que vous me le montrerez un jour. Pour être franc, j'ai vraiment hâte de savoir lequel de ces avenirs possibles est le plus beau à vos yeux.